Là, quelle magnifique intro nous avons là. Alors nous allons jouer aujourd'hui, bah, est-ce qu'on bat 2? C'est bien écrit comme il faut en gros dans l'introduction. Nom de code Scarface. Non, est-ce qu'on bat 2 sur PlayStation sorti en 97? Alors on va marquer un petit 95-96 Namco. Alors peut-être que le jeu était fini fin 96, mais j'en doute un peu. Enfin, en tout cas, il est sorti en 97 en Europe. Du moins. Personnellement, ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu sur la PlayStation et franchement, quel pied quoi. Quel pied tout simplement. Parce que Ace Combat 2, c'est une grande histoire. C'est vraiment, pour moi, déjà pour moi, c'est quasiment le meilleur de la série. Parce qu'il regroupe pas mal de choses assez sympas, assez de choses nouvelles, des graphismes qui tiennent la route. Et plein de choses qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Donc là, pour l'instant, on est toujours menu principal en allemand. Ne me demandez pas pourquoi en allemand, je pense que vous l'avez deviné le pourquoi. Sachant que le CD, ben, je l'ai. Enfin, je l'ai. Je l'ai plus. Il me reste plus que la boîte, en fait. Je sais pas ce que j'ai fichu de ce CD, donc voilà. Alors, on peut changer une partie, voir dans les options. Dans les options, c'est assez basique, hein, c'est la configuration des touches, les configurations de jeu, les unités. Est-ce qu'on peut. Oui, bon, voilà, on va laisser par défaut. Voilà. Et on peut ajuster l'écran. On va commencer tout de suite une nouvelle partie avec trois niveaux de difficulté et qui ont vraiment leur importance puisqu'ils sont quand même bien retranscrits. Sachant que le mode hard est quand même faisable, je veux dire, c'est. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est quand même pas trop difficile. Il est difficile à certains moments, mais on peut y arriver avec un peu d'entraînement en refaisant une ou deux fois la mission. Donc moi, pour moi, c'est un jeu qui est bien équilibré. On va prendre le mode normal. Et là, c'est parti. Donc dans tous les combats, c'est toujours un peu la même chose. Ça, par contre, au niveau scénario, ils ont du mal un peu à se renouveler. C'est toujours pareil, il y a eu des ennemis qui attaquent, etc. Blablabla. Donc il faut défendre le pays contre l'invasion de tout le monde. Voilà, donc bon, on n'achète pas ou on ne joue pas à Ace Combat pour son scénario. Parce que c'est pas vraiment ça. Alors déjà, je vais m'arrêter un peu là. C'est sur les musiques du jeu que je trouve monstrueuse. Franchement, j'ai pratiquement les musiques de tous les combats, du 1 au 4, en passant par le 3, 5, 6. Mais le 2 est un peu différent de la suite, du 3, 4, 5. Et les musiques sont vraiment géniales, quoi. Franchement, moi, pour ceux qui aiment ce genre de musique, c'est le pied. Surtout en vol. Chaque mission a sa musique particulière. Et elles vont vachement bien. Allez, on va passer l'intro, qui en plus est sous-titré en allemand, pour ceux qui comprennent. Bon. Et on est parti. On va arriver dans le menu principal. Une bonne petite musique. Alors. Donc dans le menu principal, nous avons la mission qui s'affiche en premier. Donc la Interception of Invasion Unit. L'arsenal. Donc on peut acheter des avions et en vendre, puisque c'est un jeu d'avions évidemment. Les données de campagne et les données personnelles. Alors là, je n'ai rien chargé, donc je n'ai pas de sauvegarde ni rien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire pour vous permettre de comparer. Et bon. Et là, les données de la campagne. Donc au début, on commence en étant simple épisode, tout simplement. On a un onglet pour les décorations. Donc là, on n'en a aucune, évidemment. Un onglet pour les avions utilisés. J'en ai utilisé aucun. Et les missions. Alors là, j'en ai fait aucune. Allez, donc on va commencer la première mission et tout de suite la musique de briefing. Voilà, donc en gros, il y a des ennemis qui arrivent pour bombarder une base alliée. Il faut absolument détruire ces bombardiers avant qu'ils aient détruit la base. Bon, c'est un peu con parce que dans la mission, vous allez voir en compte, ils bombardent déjà quand on arrive. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans le menu briefing, on peut voir les informations, donc les ennemis à abattre. Et ça, c'est très important. C'est
très important. Parce que dans les ennemis à abattre, il y a parfois un ennemi particulier qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas une cible prioritaire mais secondaire, et qui vous permettra de débloquer les fameuses médailles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là pour l'instant, on a donc des bombardiers à attaquer, avec quelques chasseurs secondaires mais qui vont essayer de nous embêter, et on a un porte-avions allié en appui. Et on est parti. Donc au début on a deux avions, on a un A4 et un F4, on peut voir les stats en bas, ce qui est assez utile. On peut voir évidemment que l'A4 bah, il est un petit peu moins bien que le F4, donc logiquement on va prendre le F4. Et on est parti. Donc, deux vues, une vue intérieure donc de ce style, une vue extérieure de ce style, je pense que c'est assez visible comme ça. Un bouton pour accélérer, un bouton pour ralentir, on tourne à droite et à gauche, on monte, on descend, c'est assez facile. On lock l'ennemi quand on est prêt, et on envoie la purée, on ralentit un peu pour pouvoir lui remettre un troisième, et on le détruit. Donc là, on est à la première mission, donc évidemment, ça sera pas très dur. Voilà, on avance déjà et on passe à la suite. Donc là je vais me préoccuper que des cibles prioritaires, c'est à dire les cibles rouges. Allez, on se bouge, voilà. Voilà, on passe au suivant, donc triangle pour choisir la cible évidemment, avec la carte qui s'affiche en bas. Et on va faire une mission assez vite, voilà. Bon, alors là, je suis peut-être allé un peu vite, parce que bon, c'est la première mission, elle est très facile. Donc, là, bon, il s'agissait tout simplement de détruire 4 bombardiers, ce que j'ai fait assez vite, hein, parce qu'ils étaient juste devant moi, donc j'avais juste à avancer un peu les loquer. Donc, les loquer, il faut être en dessous de 800 mètres, je crois, de l'avion, ou 900. Je sais pas si 100 mètres, ouais, je crois que 100 mètres, pour pouvoir les loquer et envoyer la purée. En sachant que je peux aussi tirer dessus avec une petite mitrailleuse, mais c'est vraiment anarchique comme façon de procéder. Et voilà, donc j'ai fait ma première mission. J'augmente en grade, je débloque un premier avion, un KFC-7. Alors il y a pas mal d'avions dans le jeu, vous allez vous en rendre compte un peu après. Bon, évidemment, on n'aura pas le temps de finir le jeu, faut pas non plus déconner. Mais, bah, donc là, je vais pas aller dans le bail et acheter l'avion, ce que je ne vais pas faire. En revanche, je vais revendre le A4. Voilà, on a revendu. Et on va passer à la deuxième mission directement. Donc là, on peut voir que le type de carte a changé, c'est-à-dire que là, on va être dans une carte montagneuse, enneigée et tout ça, avec toujours des avions à détruire. Et attention, je vais vous montrer la particularité. Donc, les ennemis normaux, les C-17 donc à abattre, et un petit Superfly qui n'est pas une cible prioritaire, mais une cible secondaire avec une médaille à la clé. Alors, j'ai mis un petit nom là, c'est Superfly. Et donc, ça a attaqué. On est parti. On prend le F4 et on est parti pour la deuxième mission. Alors, la première mission est rapide, la deuxième l'est déjà beaucoup moins. Même si en moyenne les missions se finissent entre 4 et 5 minutes. Alors, bah on est parti. Avec la musique qui a changé. Et je crois que. Ah, j'ai touché un peu, il est arrivé face à moi. Tant qu'il arrive sur moi. J'arrive à les toucher un peu, ça c'est pas mal. Boum. Voilà. Alors je sais pas si vous entendez bien la musique, mais pff, voilà, ça commence déjà avec ce genre de musique. Musique assez épique, je trouve. Donc là j'en ai tué un. Je vais me loquer. On envoie la purée. Voilà, normalement je les tue en 3 coups, mais comme je les ai tués une fois un petit peu avant. Et là on a notre premier ennemi. Alors en général, ce genre d'ennemi, il faut un coup supplémentaire pour les tuer, comparé à un chasseur normal.
Voilà, là, là, encore une fois ça s'est vérifié. Mais bon là j'ai vraiment aucune difficulté. Bon, sachant quand même que le jeu j'ai fini une bonne vingtaine de fois dans tous les niveaux, donc je le connais un peu par cœur, je pense que vous l'avez remarqué. Ah, j'ai vraiment pas envie de parler quoi, j'ai plutôt envie de vous laisser écouter la musique qu'autre chose. Voilà. On va calculer combien de mètres exactement il faut. Il faut 800 mètres, 900 mètres pour pouvoir les taper. Alors, au niveau des graphismes, vous pouvez voir, bon, c'est assez cubique en bas, mais c'est quand même pas trop mal fait. C'est-à-dire que si on s'approche de l'avion. Alors, je vais vous montrer un petit peu là. Et voilà. Alors vous avez pu voir un petit warning juste derrière moi, bah, simplement un pilote ennemi qui entend me loquer, donc me verrouiller, et m'envoyer un missile. Et là vous avez pu voir donc les petites mitrailleuses qui font un peu de dégâts, ce qui est pas mal. On peut tuer les ennemis comme ça d'ailleurs, hein, quand on n'a plus de missiles, parce que nos missiles sont assez limités. Et du coup, dans certaines missions, il peut arriver que vous soyez à coup de cours de missiles. Voilà, donc vous allez devoir vous taper des mitrailleuses pour attaquer les avions, et c'est pas la joie, franchement. Donc voilà, on a débloqué notre première médaille, Superfly, c'est magnifique. Et un autre avion, du coup, parce qu'attention, cet avion, on ne le gagne pas forcément, parfois, la médaille nous apporte aussi un avion. Voilà, et on est accroché dans notre... je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bon, enfin là où il y a toutes les médailles, en gros... Ah, une mission un peu différente maintenant, puisqu'il va s'agir d'attaquer un porte-avions dans une ville. Et là, je vais pouvoir vous montrer un peu les graphismes du jeu en général. Vous allez voir que c'est quand même pas trop moche, sachant qu'on se place en 97. Alors, je vous montre ce que ça donnait quand même au niveau de la campagne. Voilà, on est Seigneur Herman. On a les décorations qui s'affichent là. Et on a les avions utilisés ici. Donc là, j'ai utilisé deux fois le même. Et les temps de mission. Donc là, par exemple, j'ai mis 1 minute pour faire la première et j'en ai mis 2 pour la seconde. Et on est parti. Alors là, je passe directement. Donc on a les ennemis qui s'affichent, comme d'habitude. Alors oui, il y a des hélicoptères aussi. On peut pas les jouer, mais les ennemis ont les hélicoptères. C'est assez facile à taper puisqu'ils sont en général en survol, donc bon, ils bougent pas vraiment. Mais ils peuvent nous attaquer aussi en voyant des missiles. Donc là apparemment c'est ce qu'il y a à détruire avec des F-16. On recommence à toucher des appareils un peu plus perfectionnés. Et normalement il devrait y avoir ce fameux, si je le trouve, là, ce fameux porte-avions à détruire. Et on est parti. Alors on est à 14 minutes de vidéo, donc bon, on a un peu de marge hein, quand même, sachant qu'il n'y a plus de limitation sur YouTube, c'est quand même la joie, moi je trouve ça énorme de plus avoir de limitation. C'était pour ça que à l'époque je restais sur un concurrent, je ne vais pas citer le nom parce que bon, je vais pas être dégueulasse envers YouTube. Voilà. Donc voilà la première mission. Avec, donc là quand on se rapproche du sol, bah bon, c'est pas du photoréalisme, hein, on va pas arriver là, mais bon. La technique est pas trop mal faite, ce qui fait que là, bon, on arrive près du sol et on trouve que c'est pas trop moche. Alors, je voulais vous parler du HUD, donc des menus autour. Donc en bas, on a la carte. En appuyant, je peux voir un peu plus précisément. On peut voir les ennemis arriver. Donc là, voilà le fameux hélicoptère que je vais pouvoir attaquer en un coup. Boum. Voilà. On a à droite les dommages, donc là j'ai 0% de dommages, le nombre de missiles, et sur les côtés on a l'altitude et la vitesse. Alors on va essayer de passer sous le pont. Wouhou ! Oh merde ! Ouf ! J'ai vraiment failli me planter comme une bouse. Alors normalement je crois qu'on a le palonnier, mais je l'ai pas activé, ou je sais pas, il me semblait qu'il y en avait un. Alors franchement, cette musique... elle est mythique. Je crois que je vais vous le faire écouter parce qu'elle est vraiment trop énorme. Allez, je vais mettre un peu le micro près. Voilà.
Voilà, donc je vous remets ma voix. Donc voilà, ouais, une musique assez bourrin, hein, je pense que j'ai remarqué. Ah, on me tire dessus, je vais essayer de le toucher avec la petite mitrailleuse. Donc vous voyez qu'il y a les porte-avions, là tout à l'heure, que j'ai essayé de taper. Je vais essayer de retaper d'ailleurs. Donc là on peut choisir les cibles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va se faire d'abord la gaine. J'ai 12% de dommages, ça va, c'est vite. C'est-à-dire qu'en fait les mitrailleuses nous envoient pas mal de dégâts. Surtout c'est assez difficile à éviter. Et là encore, en temps moyen, on n'est pas en difficile. Allez, on va essayer de se faire un petit chasseur. Un petit F-16. Allez. Allez. On commence à loquer. Et là, on va bombarder le porte-avions. Et on va terminer une mission. Et voilà. Donc là, bon, c'était encore assez facile, hein, mais vous avez pu voir une mission, un peu d'attaque au sol. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de sa petite carte. La petite carte là, c'est tout simplement bah, la revue du trajet que j'ai fait sur la carte et les cibles que j'ai détruites, tout simplement. Et voilà. Alors, il y a aussi une notion d'argent dans le jeu et de points d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, là, je gagne des points d'expérience, donc je monte au niveau. En sachant qu'il faut, pour finir le jeu, il faut finir le dernier niveau en étant brigadier général, tout simplement. Brigadier général, je sais pas. Et pour ça, il faut marquer le plus de points par mission. Ce qui fait qu'en plus de devoir finir les missions sans et sauf, de détruire les cibles secondaires, et il faut aussi marquer le plus de points et ne pas trop en perdre, puisqu'on peut en perdre si notre appareil est trop endommagé. Pour pouvoir être au grade le plus haut. Voilà. Donc là j'ai débloqué un avion et pour une fois c'est un avion un peu plus sympa que l'on va aller acheter. Donc là on a le KF-16 que j'ai débloqué, le A6 et le F-16. Et vous voyez que bon, en comparaison par exemple avec celui-là, hein, ou même celui-là, le F-16 est quand même beaucoup mieux. Donc on va l'acheter. Alors là on a deux missions disponibles. On a cette mission ou celle-là. Alors c'est un peu une technique pour faire tout simplement faire la campagne une deuxième fois, puisqu'il y a des missions que vous devrez absolument faire de toute façon. Donc bon, laquelle on va prendre? On va prendre celle-là ou on va prendre celle-là? Allez, on va prendre celle-là. Donc là on va devoir attaquer des cibles offshore. Des cibles pétrolières je pense. Allez hop, on passe à la suite. Alors voilà, deuxième particularité de cette mission par exemple, c'est qu'il faut attaquer ça, mais il faudra aussi attaquer, comme je vous ai parlé. C'est quoi ça? Oil Base Apparel House. Voilà, ces deux appareils qui nous donneront une médaille. Et on est parti. Et là, petite nouveauté de la mission, on peut avoir un support allié. On peut avoir Slash ou Edge, qui nous permettront tout simplement de se nous couvrir. On pourra lui demander d'attaquer les cibles au sol, de couvrir d'autres ennemis, de couvrir les alliés aussi, etc. Donc pour vous montrer, je vais prendre Edge, parce qu'on peut même prendre une fille, ce qui est quand même assez énorme. Alors, donc là on peut demander de nous couvrir, d'engager l'appareil ennemi, ou de sécuriser l'espace au-dessus d'une cible, et d'attaquer les cible au sol ennemi. Donc moi je vais lui dire d'engager les appareils ennemis tout simplement pour être un peu plus tranquille. Voilà. Et on est parti avec notre F-16 pour l'émission, la mission Opera House. Et on est parti. Donc on peut voir notre... Alors là je vais me décaler un peu parce qu'il va arriver face à moi. Et voilà, donc là j'ai tué en un coup. C'est vrai que des fois ils sont un peu bêtes les avions, c'est-à-dire qu'ils arrivent face à nous, on a juste à attendre qu'ils nous envoient un missile. Mais parfois ils nous en envoient eux aussi. Donc il faut faire gaffe. Donc là, bon, j'ai juste attaqué les... Warning! Là je me concentre pour attaquer juste les cibles. Voilà, donc là on voit les carrés rouges, c'est les cibles. Je vais aller dessus directement. Et
Je vais essayer d'attaquer aussi. Comment ça s'appelle? Bon, là, il y a plein, il y en a pas mal là. Ah, on a déjà les ennemis là. Oh, alors là, j'ai un missile qui arrive. Alors, bon, puisque pour l'instant on tente de faire une mission, qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le jeu? Au niveau de la durée de vie, bon, il est quand même, elle est quand même correcte. Elle n'est pas gigantesque, on n'est pas dans un Final Fantasy. Oula, là, alors on m'attaque là. Il y en a qui a bien profité du fait que je sois bloqué sur un ennemi. Donc au niveau de la durée de vie du jeu, bah, elle est pas mal, hein, honnêtement. Une fois que vous avez fini le mode moyen, vous allez faire le mode de compliqué. Il y a aussi l'histoire des médailles qu'il faut découvrir un peu. Les missions sont pas forcément faciles. Donc il y a quand même de quoi faire. En sachant qu'on peut débloquer quelques missions supplémentaires. Donc là j'ai freiné vraiment comme un bourrin. Faut pas qu'il me passe devant. Faut pas passer devant lui, je veux dire. Encore ? Il faut 4 missiles ? Ah quand même. Donc voilà, au niveau de la durée de vie. Après, donc les graphismes, comme vous pouvez le voir, c'est propre. Honnêtement, bon, on est sur PlayStation 1, donc c'est quand même pixelisé, etc. Mais c'est propre, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien les... Oula, alors là, il y a un missile qui m'arrive de face. On reconnaît bien les objectifs terrestres, la mer est bien rendue, on peut voir, on va dire, assez loin. Donc c'est quand même bien réalisé. D'ailleurs, je préfère les graphismes... 2 par rapport au 1. Bon, c'est logique, hein, le 1 est assez mal fait au niveau des graphismes. Je pense qu'un jour on y jouera. Vous verrez vraiment la différence. C'est assez méchant le décalage décalage graphique entre le 1 et le 2. Et voilà. Mission accomplished. Alors, on a fini la quatrième mission. On est rendu à 24 minutes. Alors, j'ai détruit les cow-boys, donc normalement je devrais avoir. Bon, je suis sergent maintenant. Eh, j'ai pas compris là. Oh non, j'en oublie un. Ah mince, bon bah j'ai pas eu de. Bon bah tant pis. Allez, on va se quitter sur une mission un peu particulière, puisque là il va falloir traverser un ravin pour détruire. Deux cibles. Et cette mission, la première fois qu'on l'a commencé, elle est loin d'être facile. Voilà. Donc là, il faut passer dans un ravin, aller jusqu'au bout et attaquer. Attaquer ça et ça. Alors, on se dit c'est assez facile, il faut être dans un ravin. Bon, et puis on peut dire, on peut tricher, on peut aller au-dessus. Eh ben non, pas du tout, parce que si vous allez au-dessus, ben vous allez tout simplement vous faire abattre directement. Voilà. Et là, normalement, la musique est pas trop mal. Ah non, non, la musique est pourrie ici, malheureusement. Ah, pourrie. Elle est correcte, quoi. Allez, donc on est parti pour la dernière mission que je vous montrerai, que je vous montre actuellement. Alors vous pouvez voir sur YouTube des gens qui refont cette mission, mais qui la font super vite. C'est possible, hein, je veux dire, il faut vraiment être concentré. Donc là je me prends des dommages en plus à chaque fois. Donc merci quoi. Je peux rien faire, c'est-à-dire que je peux même pas les éviter. Donc là on est là pour l'instant. Vous voyez que j'accélère un peu quand même. Faut vraiment anticiper les virages parce que sinon vous allez vous prendre un mur mais directement, en sachant qu'il faut pas trop rester aussi près du sol parce que justement les angles sont vachement plus fermés quand on est près du sol. Alors vu que je prends des dommages, j'essaie de contrebalancer en tuant des ennemis. Donc là j'avance, j'accélère un peu, hein, je pourrais aller vachement plus lentement. Allez, donc là on essaie de passer entre les deux. Bon, on voit qu'au fur et à mesure ça se complique.
j'étais à 15% de dommages. Alors voilà, ici ça commence à devenir un peu tendu. C'est pour ça que je vous dis de pas rester trop bas. Enfin, je vous dis, faut pas rester trop bas. Je vous dis, c'est au cas où vous y jouerez. D'accord. Alors, on prend le gun. On est parti. Et là, on arrive sur la base. Donc là, par exemple, il n'y a qu'un TGT, mais il faut attaquer les deux. Voilà, tout simplement. Bon, c'était pas trop dur parce que j'ai l'habitude, mais la première fois, on se fait assez surprendre. Donc voilà, la mission terminée. Donc voilà, ce genre de mission assez originale. Allez, et pour finir, je vous parlerai aussi du fait qu'il y a des atterrissages à la fin de certaines missions, des atterrissages sur porte-avions et des atterrissages sur l'aéroport terrestre. Et parfois c'est assez compliqué, honnêtement j'ai galéré des fois à atterrir surtout sur les porte-avions. Parce que c'est difficile simplement. Hein, voilà. Par contre ce qui est l'avantage c'est que si vous perdez de l'argent et vous perdez pas la mission, parce que c'est assez rageant de finir une mission et si vous loupez l'atterrissage, vous devez tout recommencer. Là non, il n'y a pas de problème là-dessus, donc voilà. Donc là on est encore au choix entre deux missions. Donc on va pas les faire parce que je vais vous quitter là-dessus. Je vais quand même pas vous dévoiler tout le jeu, ça serait dommage. Donc voilà. Allez, donc on va voir l'arsenal, ce que j'ai débloqué un peu avant. Un petit A10, donc là vous pouvez voir c'est vraiment pour les missions au sol. En sachant que ces avions ont plus de missiles que les chasseurs. Hein. Donc ça ne peut pas être une petite aide. Voilà. Donc voilà, des Razorback à détruire. Donc on va se quitter là-dessus. Ace Combat 2 sur PlayStation, un super jeu. Franchement, si vous n'êtes pas repoussé par les vieux jeux, c'est vraiment trop bien, vraiment génial quoi. Voilà. Donc je vous laisse sur le début de la mission et moi je vous dis à la prochaine.